À Oukout, dans le département de Souy, en compagnie avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, pour lancer officiellement les réponses face aux effets négatifs causés par le déficit de production agricole survenu en 2011 et 2012 au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bignona pour procéder à la distribution de bons d'achat alimentaires en faveur des personnes les plus vulnérables affectées par cette situation de crise alimentaire. Une situation qui interpelle à plus d'un titre le gouvernement du Sénégal, aux côtés duquel le Programme alimentaire mondial a mis en œuvre une série de mécanismes pertinents et efficaces permettant de soulager au plus vite les besoins des personnes les plus vulnérables. Dans le monde rural, les paysans font face à un stock céréalier insuffisant, voire presque inexistant, à cause d'une soudure qui est arrivée très tôt et qui va durer très longtemps cette année. Dans le milieu urbain et périurbain, l'accès à la nourriture devient de plus en plus difficile aussi à cause de la hausse des prix des denrées de base. Conformément à sa mission, le PAM reste aux côtés du peuple sénégalais pour lui apporter tout son appui dans le domaine de la sécurité alimentaire.